Bref, j'étais chez une voyante. Je voulais en savoir plus sur mon avenir. Du coup, elle m'a dit: vous êtes saoul ? J'ai même pas eu le temps de répondre que je me retrouvais en 2030. Il est 7h du mat, le réveil sonne déjà. Je mets un short ou un jean ? Un short, non un jean. Un short, il fait beaucoup trop chaud. Je jette un coup d'œil par la fenêtre. Il fait beau. Ah non, il pleut. Ah non, il y a du soleil. Ah non, il pleut. Mince, je peux pas faire les courses. Il fait trop moche pour y aller en scoot. De toute façon, l'État interdit l'utilisation des véhicules à moteur. Super, ça m'arrange ça. J'ai faim. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait que des boîtes de conserve, que du made in Norvège. Ici, il fait bien trop chaud pour que quelque chose pousse. Enfin, un truc bon à manger. Je faisais verser dans un bol. Enfin, presque. Vu que je suis quelqu'un de super cultivé, aujourd'hui je vais faire croire à ma mère que je me suis fait kidnapper alors que je suis dans une armoire. Je me suis assis et je regardais les infos. Nous interrompons notre programme pour vous prévenir d'une éventuelle panne d'électricité. En effet, suite aux fortes intempéries, une nouvelle inondation perturbe le fonctionnement de la centrale de Katnom. Oh, il m'énerve lui. Je l'ai déjà entendu toute la nuit à cause de ce foutu réchauffement climatique. Il manquerait plus qu'il me pique et qu'il me filme le paludisme. Je l'ai donné à Bubule. Bubule était mort. Après Jacqueline, Fanny, Benny, Nemo, Dory, Marlin, c'est Bubule qui meurt. Pourtant, cette fois, je m'en étais bien occupé. Ces satanées espèces sont de plus en plus fragiles. Je voulais dire un dernier adieu à Bubule en lui rendant un hommage. Allô ? Bubule est mort. Tu peux venir ? J'arrive. Mon meilleur pote avait appelé tous mes amis que j'avais sur Facebook. Ils sont tous venus, ils m'ont tous soutenu et surtout, ils m'ont tous remonté le moral et l'un d'entre eux a pris la parole. Mais bien cher frère, si nous sommes tous réunis ici, c'est pour nous recueillir autour de la disparition de Bubule. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. J'ai pris ma plus belle plante, je lui en ai fait offrande. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je le savais, le taux de dioxygène a encore chuté, foutu déforestation. Bref, va falloir agir. Et vous l'avez bien dit.